بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Suite à vos demandes, bien sûr, pour faire des exercices sur la leçon, bien sûr, importante, la rotation. Donc, voilà un nouveau problème. Problème numéro 1, donc je vais lire, bien sûr, l'énoncé. On considère dans le plan le schéma suivant. Bien sûr, vous regardez où les points M1, M2, M3, M4, M5, tous les triangles, bien sûr, sont équilatéraux. Autrement dit, leurs côtés sont isométriques. Et R, la rotation de centre O, d'angle moins pi sur 3. Attention au sens. Donc, premièrement, déterminer RO, c'est-à-dire l'image du point O par la rotation, l'image du point M1 par la rotation R, l'image de M2 par la rotation, l'image de M3 par la rotation R, l'image de M4 et l'image de M5 par la rotation R. La deuxième question, comparer les distances M1, M4, M2, M5, soit I, un point du plan, vérifiant le vecteur IM1 plus IM2 est égal vecteur nul et J est égal RI, montrer que les points M2, J et M3 sont alignés. Petit B, construire I, J, déterminer la nature du triangle IJ, OIJ. Quatrièmement, soit K, un point du segment M2, M3, et K' égale RK, l'image de K par la rotation R, tel que l'ensemble des mesures de l'angle orienté OK, OM2, il est congru à pi sur 4 modulo de pi, petit a, construire le point K, petit b, déterminer l'ensemble des mesures de l'angle orienté OK', OM3, et bien sûr, construire le point K'. Donc, on va bien sûr aborder la solution tout de suite. Donc, solution. Donc, je vais rappeler bien sûr les principales propriétés de la rotation au fur et à mesure, bien sûr. Donc, la première question. Donc, les éléments caractéristiques de la rotation sont, bien sûr, son centre O. D'après le cours, c'est un point invariant, c'est-à-dire son image par la rotation, c'est lui-même. Et l'angle de la rotation, c'est moins pi sur 3. Donc, calcul de RO, c'est-à-dire l'image de O par la rotation R. Or, O est le centre. Et le centre de la rotation R, donc c'est un point invariant. Qu'est-ce que ça veut dire un point invariant? C'est-à-dire son image par la rotation, c'est lui-même. C'est un point invariant, ou bien on dit aussi c'est un point fixe, un point invariant. L'oral arabien, nqta samida, invariant par R. Donc, ceci implique que son image, c'est lui-même. Donc, c'est purement une question de cours. Passons maintenant au calcul de RM1. On a le triangle. Quelle est la nature, par hypothèse, du triangle OM1, M2? C'est un triangle équilatéral. Et on sait, c'est une règle, bien sûr, c'est une propriété géométrique. Les angles sont isométriques, bien sûr. Et chacun d'eux mesure en degrés 60 degrés, en radian pi sur 3. Donc, on a, d'une part, on a OM1, attention, l'angle de la rotation moins pi sur 3. Donc, on se dirige vers le sens opposé du sens positif. Donc, on a, d'une part, puisque le triangle équilatéral, donc OM1 est égal à OM2, ça d'une part. D'autre part, la mesure de l'angle OM1, OM2, puisqu'on se dirige au sens opposé, c'est-à-dire dans le sens négatif, donc il est congru à moins 60 degrés, mais notre mesure principale, bien sûr, c'est le radian, donc c'est moins pi sur 3. Modulo de pi. Et ça, bien sûr, d'après la définition de la rotation qu'on a vu dans le cours, donc ceci est équivalent que RM1, l'image de M1 par la rotation, c'est exactement le point M2.
qu'il faut faire très attention à la rédaction. La même chose dans calcul de RM2. Donc on va faire le même raisonnement. Le triangle OM2-M3 par hypothèse est un triangle équilatéral. Donc OM2 égale OM3. Et la mesure de l'angle OM2-OM3, puisque on se dirige vers le sens négatif, il est congru donc à moins pi sur 3, puisqu'on a dit dans un triangle équilatéral, tous les angles sont isométriques, et bien sûr, et on pour mesure en radian pi sur 3. Mais puisqu'on se dirige vers le sens négatif, donc c'est moins pi sur 3 modulo 2π. Et d'après la définition de la rotation, ceci est équivalent bien sûr que RM2 est égal à M3. Faisons la même chose. Donc, calcul de RM3. OM2 est égal à OM3. OM3 est égal à OM4, puisque le triangle OM3-M4 c'est un triangle aussi équilatéral, toujours par hypothèse. Et l'ensemble des mesures de l'angle orienté OM3-OM4, il est congru à moins pi sur 3 modulo 2π. Donc ceci est équivalent que RM3 est égal à M4. Donc, idem pour M4 et M5, donc, de même, donc voilà, de même, on a RM4 est égal à M5 et RM5, bien sûr, est égal au point M1. Donc, voilà pour cette question numéro 1. Maintenant, deuxièmement, comparons les distances, comparons les distances M1, M4 et M2, M5. Donc, rappel. Donc là, je vais faire un rappel. Rappel numéro 1. On sait que d'après le cours, on sait que qu'une rotation conserve la distance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si on a donc la distance M1, M2, est égale exactement à la distance entre l'image de M1 et l'image de M2 est égal à RM1, c'est-à-dire l'image de M1, RM2. La distance entre les deux points M1 et M2 est égale exactement à la distance entre RM1 et RM2. Donc, grâce à cette petite propriété, donc, on va répondre facilement, bien sûr, à cette question. Donc, on a la distance M1. M4, puisque la rotation conserve la distance. Donc, il sera est égal exactement RM1, RM4. Or, d'après la première question, RM1, ce n'est rien d'autre que M2. Et RM4, c'est M5. Donc, voilà, on constate que la distance M1, M4 est égale M2, M5. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la troisième question. I est un point diplan tel que, donc on a I M1 plus I M2 égale vecteur nul. C'est une propriété connue, bien sûr. Donc, dans calcul vectoriel. Donc, ceci, il est équivalent que I est milieu du segment
de segment M1, M2. Donc, ce qui est équivalent, bien sûr, que IM2. Donc, le vecteur IM2, il faut faire attention au sens des vecteurs, est égal à 1 demi le vecteur M1, M2. Donc là, on va utiliser une autre propriété de la rotation. On sait que la rotation conserve le coefficient de collinéarité. Donc rappelle-le, une rotation conserve le coefficient de collinéarité. Dans l'arabie, يحافظ الدوران يحافظ على معامل الاستقامية de collinéarité. Ce qui est équivalent à quoi? Équivalent à. Donc, si on a AB est égal à K fois AC, vecteur, avec K bien sûr un réel, alors RA, RB, le vecteur est égal à K. Regardez qu'il conserve le même coefficient de collinéarité entre les vecteurs et leurs images par la rotation R. L'image du vecteur AB par la rotation, c'est le vecteur RARB. L'image du vecteur AC par la rotation, c'est RAC. Autrement dit, c'est le vecteur RARC. Donc, c'est cette propriété qu'on va utiliser pour répondre à la question. Donc, la plupart des questions qui se posent dans les problèmes et exercices de la rotation, bien sûr, se déduisent du cours. Donc, c'est pour cela qu'il faut que l'élève s'intéresse, bien sûr, donne beaucoup d'importance au cours. Il y a certains élèves qui, bien sûr, qui veulent faire des exercices sans réviser le cours. Donc, c'est tout à fait faux. Le cours, la première étape, le cours, donc j'apprends mon cours. Et la deuxième étape, bien sûr, je fais des exercices d'application, ensuite des exercices. Donc, si on applique, bien sûr, cette propriété de la conservation du coefficient de collinéarité, on va l'appliquer à cette, on a les vecteurs IM2 et M1, M2 sont collinéaires. Le coefficient de collinéarité qui joue le rôle de K, c'est 1/2. Donc, si on applique cette propriété, donc nous aurons, donc on a l'image du vecteur IM2 par la rotation, c'est le vecteur RIRM2. Est égal, donc le coefficient restera intact, inchangeable. Et l'image du vecteur M1, M2 par la rotation, c'est RM1, RM2. Donc, ce qui est équivalent, or, d'après la première question, donc RI, il est donné par hypothèse, donc c'est J, donc je remplace RI par J, et RM2, j'utilise la première question, donc RM2, c'est M3, égale 1/2, donc RM1, c'est M2, et RM2, c'est M3, donc JM3 est égal 1/2, M2, M3. Autrement dit, ceci est équivalent que J est milieu. Donc J est milieu. D'après, bien sûr, les définitions qu'on sait. Donc J est milieu du segment M2, M3. Donc la question demandée, bien sûr. J'ai oublié, donc la question demandée montrait que les points M2J, M3 sont alignés. Donc, les vecteurs, donc ceci est équivalent que J, M3 et M2, M3 sont collinéaires. Moutajiyatan, moustaqimiyatan sont collinéaires.
Donc les points M2, J et M3 sont alignés. Bien sûr, cette question J est milieu de M2, M3 va nous servir pour la construction, pour petit b. Donc ça, c'est petit b. Donc là, c'est petit a. Petit a, petit b. Donc d'après cette question, on constate que J est le milieu de M2, M3. Donc, on nous a demandé de construire IJ. Donc, I sera le milieu, donc à peu près là. Et là, bien sûr, J. Voilà J. Donc, maintenant, on va passer, bien sûr, à la déterminer la nature du triangle OIJ. Donc, petit c, nature du triangle OIJ. On a RI est égal à J, donc on va utiliser juste la définition de la rotation. Donc OI est égal à J et OI, OJ, il est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, la première, et là la deuxième. Donc, la première égalité, bien sûr, m'indique que le triangle OIJ est isocèle en haut. On te sert certain. Et isocèle en haut. La deuxième, puisque c'est un triangle isocèle, et la mesure, sa mesure, bien sûr, géométrique, la mesure de l'angle géométrique, c'est 60 degrés. C'est une propriété qui est connue en géométrie. Si un triangle est isocèle en haut, bien sûr, et si la mesure de l'angle haut est 60 degrés, ou bien pi sur 3 radians, alors ce triangle est équilatéral. Et la mesure de haut, bien sûr, égale à moins pi sur 3. Donc, le triangle OIJ est équilatéral. Mutasawi al-adla' est équilatéral. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la quatrième question. La quatrième question, soit K, un point du segment M2, M3 et K' son image par la rotation, tel que la mesure de l'angle orienté OK au M2, il est congruit à pi sur 4, modulo bien sûr de pi, construire le point K. Attention, il faut faire attention dans cette question, puisque la mesure elle est positive, donc on doit suivre le sens positif. Donc pour la construction, bien sûr, donc le point K, il appartient au segment M2, M3. Et la mesure, bien sûr, de l'angle OK M2, donc il est positif, donc on doit suivre le sens positif. Donc on va utiliser, bien sûr, le rapporteur, donc de cette façon. Donc on va mesurer, bien sûr, pi sur 4 en radian, c'est 45 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 45. Donc je pointe et bien sûr je joins les deux points, ce point que j'ai trouvé avec le point O. Voilà, à peu près. Donc voilà le point K. Regardez bien que OK, OI, donc bien sûr, je suis le sens positif, c'est 45 degrés. Donc voilà la méthode pour construire le point K. Petit b, déterminer la mesure de l'angle orienté au K' au M3. Donc là, c'est une autre application d'une propriété de la rotation vue dans le cours. Donc petit a, c'est déjà fait. Donc petit b, rappel. Donc, rappel 3.
La rotation conserve la mesure d'un angle orienté, Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, on a la mesure de l'angle du premier angle qu'on a au cas OM2. Il sera le même, c'est-à-dire congru au même à l'image de cet angle. L'image de cet angle, c'est l'image par la rotation R de ce vecteur, de l'angle formé par l'image de ce vecteur et l'image de ce vecteur. Or, l'image de ce vecteur par la rotation, c'est RO, RK. Et l'image de ce vecteur, c'est RO, RM2. Toujours modulo de pi. Ce qui est toujours, il est congru. RO, puisque on a déjà calculé dans la première question, c'est un point invariant, donc c'est O. Et RK, on l'a posé par hypothèse K'. Là, on a O. Et RM2, c'est M3. Modulo de pi. Donc, on déduit que O K', OM3, il est congru à OK, OM2, modulo de pi. C'est une propriété connue en arithmétique. Donc voilà le rappel. Si A est congru à B modulo N, alors on a même l'équivalence. Alors B est aussi congru à A modulo N. Donc, on déduit que la mesure de l'angle orienté au K' au M3, il est congru, puisque la mesure de cet angle, il est connu, donc c'est pi sur 4, donc c'est pi sur 4 de pi. Donc voilà, on a terminé bien sûr cette question, et cette question va nous permettre bien sûr de placer le point de K', puisque c'est une question demandée, construire le point K' de la même manière. Donc on a OK', OM3, il est congru. Donc de la même manière, comme on a fait pour la construction, bien sûr, du point K. Donc je vais compter, bien sûr, 45. Donc 10, 20, 30, 40, 45. Donc voilà le point. Et je trace la droite passant par ce point et le point O. Et j'en déduis l'emplacement de K. Donc K'. Voilà K'. Donc si, bien sûr, O à K', l'angle de O K' à M3 est égal à 45 degrés. Donc voilà, on a terminé ce problème. Donc, suite à vos demandes, puisque plusieurs parmi vous m'ont demandé, bien sûr, de faire des problèmes de la rotation, puisque les problèmes que j'ai déjà, bien sûr, déposés dans la chaîne. Donc, voilà ce problème. La prochaine fois, la séance prochaine, Inch'Allah, je vais attaquer, bien sûr, l'arithmétique. Pour les élèves première année baccalauréat sciences math. Donc soyez au rendez-vous. La tahrimuna min salih da'awatikum lana wa li walidina wa li awladina wa li man 'allamana wa li jami' al muslimin. Usaykum wa nafsi bi as-salat wa al-hifaz 'alayha wa kathrat ad-du'a li yarfa'anna Allah subhanahu wa ta'ala ad-da'a wal bala'. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.